tous les amis, bienvenue sur Sport Précision France. Aujourd'hui, présentation du CZ805 Rem. Donc là, c'est le modèle SE, le modèle 11 pouces Canoncourt que je vais vous présenter. Voilà, c'est une arme que je possède depuis déjà 6 mois, qui est un une très très bonne carabine semi-automatique. Donc ça, c'est un fusil d'assaut qui vient en remplacement du VZ58. En fait, depuis 2011, il est en remplacement auprès de l'armée tchèque. Donc ils ont abandonné le 762 pour passer au 556. Donc là, c'est la version civile, donc c'est une version de 223. Quoi dire de beau? Alors, c'est un système par piston, pas par empreinte gaz comme le M4, par exemple. C'est un système à piston, donc comme le AK-47, tout ça. Donc moi, ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'était surtout l'entretien, parce qu'en fait, il n'y a que cette partie-là qui se salit. Toute la partie moitié culasse, c'est toujours propre. Donc déjà, niveau entretien, bon, ça c'est une chose. Bon, j'avais pas les moyens pour la crosse rétractable, donc j'ai juste pris une crosse repliable. C'est le même boulot, hein, de toute façon, c'est pour faire du tard. Donc voilà, quoi dire, alors la visée d'origine, bon, c'est très bien. Moi je l'ai équipé d'une Luris AR536, comme ça je fais un petit peu de plus beau passage, qui est une très très bonne lunette. Je l'ai réglé pour 100 mètres, donc ça fait super bien le boulot, c'est très très précis. Pareil, le canon, c'est un canon forgé, martelé à froid, donc voilà, c'est un très très bon canon. J'ai pas eu d'incident depuis avec ce fusil. Voilà, donc quoi dire d'autre. Après, vous avez la possibilité soit d'acheter les chargeurs d'origine qui sont en 30 coups, qui sont transparents en plastique, soit de changer complètement en fait le puits de chargeur pour passer au chargeur M4. Donc ça dépend. Après, vous pouvez prendre du MacPool, vous pouvez prendre les origines M4, peu importe. Donc voilà, donc il y a cette possibilité là. Sinon, après, quoi dire d'autre, niveau coloris, il y avait le vert comme ça, il y avait une couleur un peu plus foncée aussi, je crois qu'il y a un noir, si j'ai pas de bêtises. Le levier d'armement ici, il est ambidextre, vous pouvez le mettre autant de ce côté là que de ce côté là. Je vais vous montrer de toute façon après, je vais rapprocher un petit peu la caméra pour faire un démontage complet, parce que c'est vrai que quand on achète une arme, c'est bien d'avoir un petit peu déjà quelqu'un qui a fait quelques vidéos pour trouver des vidéos démontage, des vidéos d'entretien, pour voir un petit peu comment ça fonctionne et tout ça. Donc, je vous fais ça après. J'ai mis un petit laser sympa de chez Sidemark, que j'ai fait venir des États-Unis, qui est très très bien, qui est donc un laser vert. Avec une lampe torche de pas très puissante, c'est juste une 300 lumens. Elle fait le boulot pour le tir, dès qu'elle commence à être un peu dans la pénombre ou quoi que ce soit, c'est bien pratique d'avoir quelque chose de bien réglé comme ça. Niveau confort de tir, ben c'est super agréable, c'est très très doux. J'avais un Galil avant, pareil, chambré en 223, donc là on retrouve la même souplesse du calibre 223. Avec une détente un peu meilleure quand même, parce qu'on a, une meilleure sensation au niveau du point dur quand on vient effectuer le tir. Donc voilà, je trouve que c'est une très très bonne prise en main. C'est pas une arme de compétition, c'est une arme de tard qui est faite, voilà, qui est faite pour faire du tard, qui est très très bien et qui donne de très très bons résultats. Je sais moi qu'à 100 mètres sur une C20, une cible C20, il n'y a pas de problème, vous pouvez largement tout mettre quasiment dans le 10, voilà, parce que pas non plus des snipers, hein, ça reste une carabine semi-automatique, hein, c'est pas une carabine de précision. Voilà, donc vous avez, bon, le cran de sûreté ici, pareil, qui est ambidextre. D'origine, moi j'ai commandé les attaches, c'est sur commande chez CZ. Vous avez un levier d'armement rallongé, rond, avec une boule ronde aussi qui est en option. Le cache-flamme, c'est pareil, vous avez un cache-flamme aussi qui est un petit peu différent de celui qu'il y a là, mais moi ça m'importe peu, parce que dans mon stand on privilégie le tir silencieux, donc moi j'ai acheté le silencieux qui va avec. Puis voilà, c'est vraiment une très très bonne carabine, pas trop lourde, parce qu'on a énormément d'implants sur cette carabine qui sont en plastique
Ici, vous avez du plastique, là, vous avez du plastique. Il y a toute la partie, en fait, c'est toute la partie ici du fût du fusil qui va être en ferraille. Quoi, hein, donc voilà, c'est une très très bonne carabine. Vous avez la possibilité aussi de changer un petit, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un petit arrêtoir en fait qui vient éviter que vous preniez les douilles dans la gueule. Ça se change, c'est sur commande aussi. Sinon, après, voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire pour faire le tour de cette carabine. Donc voilà, on va maintenant effectuer un petit tour d'horizon en fait du CZ. Donc je vais vous montrer un démontage tout simple de cette carabine. Donc on va commencer par sortir le chargeur. Moi, ce que je vous conseille pour un démontage plus facile, c'est d'armer le chien en fait qui est à l'intérieur. Ça sera beaucoup plus pratique pour démonter en fait la partie basse de la carabine. Donc vous avez ici des petites clavettes où il suffit de pousser vers le haut et pousser la clavette. Donc comme ça. Hop. Voilà. On va pousser l'autre. On se retrouve de l'autre côté sur la clavette. On va sortir celle-ci aussi, donc clavette classique, hein. Hop, ensuite on va venir l'ouvrir comme ça, vous voyez, partie basse donc de la carabine, hop, on met ça de côté. Ensuite donc on va venir sortir la crosse en appuyant sur ce bouton. Hop, ça sort tout seul. Sorti plus vite que prévu. Vous avez ensuite ici le ressort. Alors contrairement en fait au carabine M4, hein, le ressort qui se trouve dans la crosse. Là vous avez le ressort un petit peu mais comme les AK-47, comme les Galil, vous avez le ressort complet comme ça qui vient s'enfiler en fait à l'intérieur d'un boticulas. Alors, sortir le boticulas, il n'y a rien de plus simple. On va venir le pousser jusqu'à son cran de sortie. Voilà, donc on sort sa pièce. Ensuite, on va faire glisser le boîtier. Voilà. Donc là vous avez le boîtier complet qui est bien étoilé, bien nettoyé, bien classé. Hop. Ensuite on va continuer, on va venir sortir donc le système du piston. Le système du piston est tout simple, hein. On a un tout petit cran ici. Voilà. Donc on le fait basculer. On vient tourner jusqu'à avoir le côté plat en bas. Voilà. Et là, vous avez le piston qui ne veut pas sortir. Il est un peu coquin. Hop. Et là, vous avez la chambre du piston avec un petit trou. Hop. Et ensuite, on vient sortir la tige du piston. Voilà, donc c'est cette tige, elle, qui vient donc, vous pouvez le voir, hein, qui vient taper ici. Voilà. Donc niveau entretien, ben, franchement, je vois pas ce qu'on peut faire de plus simple, quoi. Hein, parce que bon, c'est vrai que c'est quand même assez facile, vous avez vu, hein, j'ai pas d'outils, donc c'est quand même assez simple. Quoi dire, pour ceux qui veulent s'acheter un silencieux, attention, on est sur un pas de 1,5 par 28 TPI, donc qui est un pas américain avec un pas inversé. Donc là, je dévisse. En gros, je visse là, mais ça dévisse. Donc pour ceux qui veulent sortir voilà, le cache-flamme ou quoi, moi, la première fois que je l'ai eu, j'ai insisté comme un trou du cul pour essayer de sortir le cache-flamme, alors que ben voilà, c'était tout simple, il suffisait juste de visser pour dévisser. Donc voilà, ça fait très bizarre au début. Hein. Parce que nous, dans nos pas européens, on est habitué à avoir quand même tout dans le
tout dans un pas, dans un certain sens. Donc voilà, je vous démonte complètement comme ça. Ouais. Voilà. Donc là, vous l'avez démonté complètement. Bon, je ne démonte pas les organes de visée ni les accessoires, bien évidemment, parce que bon, ils sont réglés. Ça a été un peu la merde au début à régler, donc voilà. Donc voilà, cache-flamme classique. Hein, j'ai le même sur ma Ruger SR762, hein, c'est un cache-flamme 6 pans qui dégage tout sur les côtés. Alors, ça fait le boulot, c'est pas ce que je conseille, moi. Je conseille plus un cache-flamme fabriqué par des professionnels. Vous avez des tas d'entreprises en France qui fabriquent de très très bons cache-flammes. Ou un silencieux, bien évidemment. Autre chose aussi pour le silencieux, moi c'est ce que j'ai remarqué. Un silencieux classique sans utilisation de cartouches subsoniques, ça suffit largement pour le stand de tir. Hein, parce que comme on a un canon qui fait 11 pouces, la balle elle n'a pas le temps de partir en grande vitesse, donc elle part en vitesse subsonique. Donc en dessous de 800 mètres secondes. Hein. Donc le silencieux, même sans utiliser de cartouches subsoniques, ça suffit largement. Hein. Voilà. Donc on va le remonter. Hop. Donc on dévisse bien évidemment pour visser. Hop. On met sa petite bague. Tac. On remonte le cache-flamme. Alors moi le cache-flamme, je viens le mettre à buter. Voilà, là il est abuté, hein. Faut pas le serrer plus. Et après, en fait, je viens serrer avec la bague de serrage. Voilà, comme ça, pour le démontage, c'est plus facile. Surtout quand vous venez de tirer, faut faire attention à ce qui se divise pas, parce que comme ça chauffe, hein, forcément. Ensuite, donc, on va remonter le système d'empreinte de glace. Donc, je vous conseille de faire comme ça, c'est plus pratique, ça évitera de vous faire chier à le foutre. À se faire chier à le mettre. Hop, il y a un filet là-dedans. Évidemment, c'est tout simple. Hein. Tout c'est de trouver le cran, bien entendu, mais c'est tout simple. Voilà, là, il y est. On fait un petit quart de tour, un petit demi-tour même, pour arriver jusqu'à son cran. Voilà, ça c'est remonté. On va venir remonter la petite culasse. La petite culasse, il faut qu'il soit avec le petit tenon. Ici vers le haut pour venir s'enfiler. Hop. Ensuite, on s'aligne ici pour le trou. Tac. Les griffes, c'est pareil, vous voyez, il y a un sens. Donc ça vient comme ça. Pas se tromper. Là, il y a de la marge pour enfiler la crosse. La crosse, elle vient se mettre dans son guide. On appuie ça. Hop, la crosse est remontée. Dans la même opération que tout à l'heure, on va venir armer le chien. N'oubliez pas, hein. Ne le laissez pas comme ça sert à rien. Ici, vous avez un petit ergot qui va venir s'encaner ici. Hop. Moi, c'est mon truc personnel. Je mets les clavettes du côté que je n'utilise pas. Alors moi, je suis gaucher. Je vais mettre les clavettes à droite. Hop. Voilà pour une. Les clavettes sont mises. Le chargeur. Et voilà. Ça c'est fait. Pareil pour le décharger. Comme c'est quand même un mécanisme assez ancien, ce que je vous conseille, vous n'êtes pas obligé de percuter à vide ni d'acheter la cartouche. Vous pouvez très bien faire 4 cm jusqu'à un point dur, le percuter. Et relâché. Et là comme ça, il est dépercuté, il est prêt à être rangé dans son coffre.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais dire un petit peu comme tout le monde, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, pardon. Voilà, donc j'ai encore pas mal de tests comme ça à faire de mes petits bébés. Dans la suite des vidéos, il y aura Sabati désert, il y aura la Ruger SR762, il y aura le CZ Tactical Sport, il y aura le Jericho 941, il y aura le Taurus ST12, il y aura un Fabar en calibre 12. Donc voilà, plein de petites vidéos à venir. Si après moi j'ai d'autres personnes qui me permettent de tester leurs armes en stand de tir, je n'hésiterai pas à vous faire pareil, une petite vidéo de démontage et tout ça pour avoir de l'info, c'est gratuit, ça coûte pas cher. Donc moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, laissez des commentaires, des questions sur les tarifs, sur tout ça. Moi il n'y a pas de souci, je vous répondrai au plus rapido. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.